ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse à moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, le Seigneur fit pour moi les merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi les merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la correspondance entre le chiffre de la bête représentant Satan qui est le mal avec le chiffre du genre humain dans le livre de l'Apocalypse nous indique que quand l'homme eut habité dans le temps, y jetant ses propres cris, Marie offrit en sacrifice
les paroles de ses lèvres plus que tout autre sacrifice. Et l'Apocalypse, qui veut dire révélation sur le Seigneur, donne trois enseignements quant à la vie surnaturelle, c'est-à-dire sur ce qui vient du ciel et y retourne. Premier enseignement, l'espérance de la vie, commencement et fin de notre foi. Deuxième enseignement, la justice, commencement et fin du jugement. Troisième enseignement, l'amour, attestation plénière de joie et d'allégresse des œuvres accomplies dans la justice. Ainsi, frères et sœurs, la correspondance peut être aisément faite entre Marie et la figure de la femme qui enfante le Sauveur, c'est-à-dire Marie que Dieu a faite comme une terre nouvelle et un ciel nouveau, la terre qui ne porte que l'homme Dieu, du moment que l'Esprit Saint repousse notre ennemi loin de nous pour que sous sa conduite nous évitions tout mal et qu'il nous donne la paix. Oui, Marie préfigure la victoire promise en Christ de l'humanité sur le péché et la mort comme médiatrice de grâce et Marie reine immaculée. Si la première lecture de la fête de l'Assomption semble décrire un combat entre le ciel et la terre, il est plutôt question du seul combat de Dieu en qui notre vie est cachée avec le Christ, combat contre l'amour propre et une sainteté de caractère qui est une sainteté presque nulle parce que la grâce y est pour peu de choses. Vénérable François-Marie Paul Liberman. La Vierge Marie, reine, et l'enfant de la promesse que nous fêtons dans le don aimant de soi témoigne que c'est bien en raison de sa maternité divine que la Vierge Marie est exaltée dans le ciel, donnant à tout le peuple chrétien l'assurance que les promesses divines se réalisent. Parce que la mère de Dieu, qui est aussi la mère de l'Église, est le commencement et l'image de ce que deviendra l'Église en sa plénitude, c'est-à-dire que notre Dieu est le Dieu de la promesse. Avec Marie, en qui, debout à la droite du Seigneur, se tient la reine, toute parée d'or, décrite dans le psaume 44. Frères et sœurs, Marie est signe d'espérance et source de réconfort pour le peuple de Dieu encore en chemin. Elle est la promesse en chemin. Et cela ajoute à notre joie, nous qui sommes marqués par le mal à cause du péché d'Adam. Si la mort est inéluctable, cependant, dans le Christ victorieux de la mort, la résurrection nous est d'ores et déjà promise à son retour. Nous qui sommes en exil dans notre corps, en cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, elle est la nouvelle Ève associée à la victoire de son Fils sur le péché et sur la mort, couronnée
avec lui dans le ciel. Temple de l'Esprit Saint et Marie auxiliatrice. Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel pour devenir canal de la grâce. L'Assomption de Marie est donc pour toute l'humanité un gage d'espérance, une promesse de résurrection, car le mystère de l'Assomption corporelle de Marie est contemplé avec tous les dons et privilèges de la femme choisie parmi toutes les femmes pour enfanter le Créateur dans son sein comme son enfant bien-aimé, en restant toujours vierge et une femme de chenou de la race d'Abraham, fille de Judée. Mes frères et sœurs, si Marie est accueillie dans le ciel aujourd'hui, l'amour nuptial et sponsal entre Dieu et l'homme dans le mystère de l'alliance nouvelle et éternelle est au cœur de la parole de Dieu de l'Eucharistie que nous célébrons en cette fête de la foi. Louange à toi, Seigneur, aux noces de Cana, de ton abaissement, comme ce qui est à notre disposition. À l'instar de Marie Vierge Mère, tous les pauvres en esprit dont parle l'Évangile peuvent dire que si nous sommes justifiés par ton sang et sauvés par toi de la colère, la bienheureuse Vierge Marie, quant à elle, ira jusqu'à renoncer à la fonction du ministre du culte, qui est ministre du sang du Christ, exercé par les apôtres, afin de rester le premier de tous les disciples du Christ et l'humble servante du Seigneur. Saint Jean, le disciple bien-aimé, à qui Jésus sur la croix a confié Marie, sa mère, écrit ces paroles de notre Seigneur en Jean chapitre 12, versets 24 à 26. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la paix, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Frères et sœurs, en ce jour de fête, le chant du Magnificat de Marie, Mère du Sauveur, résume dans tous les temps et pour tous les siècles l'œuvre d'amour du cœur de Dieu. Que la bienheureuse Vierge Marie et Notre-Dame de Guinée couvre chacun de nous de son manteau virginal en nous attirant à Jésus, le divin sauveur et divin maître. Par l'intercession de Marie, que le Seigneur Jésus, lumière sur la vie et sur la mort des hommes, éclaire à travers nous ceux qui sont heureux et ceux qui souffrent. Car en rebâtissant et en relevant le temple détruit, Jésus a offert aux morts qui attendent sa résurrection des promesses véritables et solides. Bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Marie. Bonne fête de l'Assomption à tous et à chacun
de vous ici présents, comme aux absents, aux malades, ainsi qu'à tous vos proches et tous ceux que vous aimez. Que Marie, Notre-Dame de Guinée, bénisse notre cher pays, la Guinée, comme un peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parviennent au bonheur éternel. Oh,
rassemblés en prière. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire.
plus beau des enfants, des hommes. Pour votre dévouement dans l'accomplissement de votre mission sacerdotale et religieuse, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, surtout au service de notre paroisse Saint-Joseph-Ouvrier de Calou. Votre soutien spirituel, vos conseils, vos enseignements et votre exemple de vie consacrée sont des témoignages éloquents et précieux de votre engagement envers Dieu et envers nous tous. À cette occasion, nous souhaitons également vous inviter à cultiver l'unité, la communion, la fraternité, le pardon et l'obéissance à la parole de Dieu et à l'Église. Puissions-nous continuer à marcher ensemble sur ce chemin de foi, en nous soutenant les uns les autres et en étant des témoins vivants de l'amour du Christ. Engageons-nous résolument dans la vie de l'Église et de notre pays en nous impliquant activement dans la communion, la liturgie, le service, et en portant le témoignage de notre foi dans nos actions. Ensemble, formons une véritable famille de croyants unis dans la prière, la charité et la solidarité. Que notre amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs soit toujours plus grand, afin de rayonner de la lumière du Christ et de transformer le monde qui nous entoure. Que l'exemple de pureté, de louange à Dieu, et de service dans l'abaissement et l'humilité de Marie illumine notre chemin, nous guide dans nos engagements quotidiens, élève nos cœurs vers Dieu pour faire jaillir des chants de jubilation et nous initie à prononcer tous les jours des paroles de bénédiction envers nos frères et sœurs. Que l'Assomption de la Vierge Marie fortifie notre foi et nous inspire à vivre pleinement notre vocation chrétienne dans l'amour et le service de Dieu et nos frères et sœurs. Allez dans la paix de Christ.